Bonjour frère Maxime, comment nous est? C'est GFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est là. Nous moi dit nous merci. Hein. Merci pour bouche à l'oreille nous fait pour moi. Merci pour confiance nous et fidélité nous. Je dis à la m'bel préparer un petit pain table pour nous. Il y a pile monde qui a demandé comment vous faites pain table. Nous songe me faire déjà, mais j'ai laissé un don recette d'été. Bonjour, je m'a fait un pain table pour nous. Moi j'ai un pain table créole m'a fait pour nous et puis après ça m'ont pain table au vin rouge. D'abord, va me faire pain table créole là pour nous. Même j'ai pain table là, moi nettoyer viande moi. On dépose là qu'on a là on va le faire cuisson. Pour me faire cuisson, là on va mettre rien là-dedans. Rien. On a nous pas loin qui ça va le faire. Mais chaud m'a chauffé là. Mettons ton l'huile là-dedans qu'on a là on va chercher goût la pétade là. OK, on va le griller. Mettez sel là-dedans. On tout mettez poivre en quelque part ici là. Depuis en l'en en viande, mettez sel poivre. On remarquer actuellement ça qui gagne sel poivre là, c'est ça simplement là. Qu'on a là, on va chercher goût. Chaud, j'aime bien chaud. On dépose via moi là. C'est bon ça. Allez, c'est bon, bon sel. Dans l'autre côté, là, qu'on a pas pour gagner sel poivre là, mais tu mets sel poivre sur le tout aussi. Dès que vous commencez à colorer, moi tourne. Wow. Puis vous mettez un peu l'huile dans le chaudière, hein, parce que si vous mettez un peu l'huile dans le chaudière, la vine, les fruits la frit. Là, moi-même, moi pas frit là. Avec de la même chercher une coloration. Là, tous les deux côtés qui sont bien colorés, qu'on a mal monté. Mais un bol là qui est en coloré, mais l'autre bol lui-même. C'est coloré aussi. Qu'on a la moins mettre dans le chaudière, dans le bol là. Qu'on a la moins fait la même chose avec le ratio. De suite, et puis comme fini, ma vie côté nous pour nous voir l'autre côté ma branche. Qu'on a la viande moins fin colorée les deux côtés. On a mal montré nous qui ça m'a fait. Regarde. Les viandes nous sont colorées les deux côtés. On a retiré toute belle partie de viande. Ça c'est zo do yo. Ça c'est cuit. Zèl yo. Moi on retire toute belle partie yo. Si on retire belle partie yo, regarde. On a petit dos ça avec petit quoi. Ça yo. C'est eux même qui va être censé jouer rôle bouillon. De pain table là. Regarde. Mais j'en ai là. Je vais mettre j'en là dans le chaudière. Je vais mettre ça c'est céleri, carotte. Quand on a là, je vais mettre deux belles cuillères de tomate. Waouh, ça sent bon. Je vais chercher le goût. Hein. Une fois que légumes viennent bien sûr, qu'on a la main bien bouillon, mal chercher tout de suite, là moi viens avec vraie viande là. Avec pile pièce pinte à moi. Waouh, ça sent bon. Regarde. Juste comme ça, là, je t'en dis manger. Je vais mettre un pile de bagaille là-dedans. Là. Qu'on y a, je mettre deux belles cuillères et puis créole là-dedans. À brasser de temps en temps. Il y a sel déjà, je n'ai pas besoin de goûter pour sel. Il est en train de manger. C'est agréable faire la cuisine. Hein? Quand on a rendu la brassée, hein? Faut moins à 6,5. Hein? La brassée, je vais faire ça, ma secouette. Tout goulot rentré là, moins bien souhait tout à fait. Qu'on a gardé ça. Moi, je viens avec un quart de tasse de jus de citron. Là, je vais mettre jus de citron pour que pintade moyen li pas senti di là moi mettez un quart de tasse de citron jus de citron pour que viande moyen gain goût citron même c'est comme si à la place du vin moi mettez citron qu'on a là on va faire un bon pintade citronné hein et tout de suite moi mettez thym persil qu'on a moi mettez de l'eau là-dedans lorsque on a quitté un pintade surtout deux
Et puis l'on fait soit fait pigeon aussi. On pas besoin de contrôler quantité d'eau. Mettez moi le montre qui j'en pour ni compte comment de l'eau. Dis bon. Mettez de l'eau. Où te viande. Voilà. Où te viande. Depuis de l'eau arrivé où te viande, ça veut dire c'est pas fait. Qu'on a l'on mettez de l'eau où te viande. Dans les voiles bouillies, faut pas mettre couverture sous l'île. Sous mettez couverture, la vine dépasser. Na faut quitter la route vient là, la bouille tranquillement, voilà. Sans couverture, et puis nous prenons un bagage, et puis ça va être l'enfer. Quand on a, si nous gardons, nous regardons pour nous, la bouille tranquillement, on va mettre couverture là sous lui. On a vraiment que là, il commence à descendre. Donc, commence à venir plus haut là. À partir de là, qu'on a diminué le volume du fer encore. Qu'on a mis ma 5. Qu'on a là pour nous quitter là tranquillement là, pour le frémir là. Ouais, la réduit là doucement là. Ça a venu là. Presque commencé prêt là. En vingtaine de minutes encore, ça va être prêt là. Bien qu'on a la frémir. Avant de finir, nous allons l'ajouter encore, mais nous allons qui ça. Dans toute viande bien cuite là. Qu'on a ok. On va le brasser là. On fait mes faux moins. Qu'on a là, une fois qu'il me fait mes faux moins. Parce que viande moins cuite là, on va le faire un petit minimum de nettoyage. On retire quelques branches de persil. On retire quelques branches de thym. Ok. Là maintenant, dans qui ça va le faire là, regardez bien ça va le faire. Première des choses que je fais, je finis là déjà. Je mets ton petit poisson. Si l'huile moi te mettez simplement pour me saisir, viande là, c'est dicté là-dedans. Qu'on a venu avec un petit huile d'olive. Vraie huile d'olive qu'on mange crue là. Mettons petit huile d'olive, ça, son petit piment bouc, moi prends pour simplement, mettez là-dedans, mettez à droite et à gauche là, n'allez pas piquer là, c'est simplement un petit parfum de bail et puis me voulez pendant mon nap manger pour mettre pour goûter dans ma bouche du tout. Une fois que mettez ça, qu'on a venu avec un petit olive verte, des un petit olive noir aussi, on dépose là-dedans. Qu'on a là, tout ça toujours me brasser là, juste simplement à tourner. Ou chaleur ça wow. Tu sens piment monter là-dedans et puis avec petit goût citronné. Me goûter sur ça déjà vraiment petit goût citron substil en balle et puis avec petit l'huile d'olive ça qui y a un petit genre un petit un petit amertume là-dedans. Wow, c'est excellent. On mange le avec son remède, au baili avec son remède. Qu'on a là, moi juste mettre le bol pour nous. Et puis qu'on a nous voir comment on va le prendre et puis voilà, c'est ça qui ont pintade. Dans tout le monde qui t'a demandé comment on fait, qu'on a même pintade de GFL là pour nous là, un pintade créole. Là. Mais pintade là, un pintade citronné et olive, c'est très bon. Quand on regarde les cuisses là simplement, c'est déjà parfait, pas besoin de péter le qu'on y a là. Mais regarde tout petit morceau viande yo, regarde. Ça sort toute seule. Tu vois, mais ça me dit non besoin. T'as coulé mon appel pour parler avec un petit morceau piment. Ou un petit morceau piment là. Pour piment. C'est bon. C'est excellent. M'a goûté. C'est excellent. C'est très très bon. M'a gagné d'autres choses à dire nous encore. Hein? Pas oublier de partager la vidéo à moi. On dit nous merci. C'est un pintade. Hein? Pintade citronnée. C'était JFL Cuisine Créole. J'ai fait dans lundi votre chef à la maison. Merci. Au revoir.